pour faire une petite présentation pour après sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas? Dites bonjour à YouTube. On s'ouvre quoi? On s'ouvre la bataille du chaos. Et dedans, bah, ce qu'on cherche, ça cote pas. Bon, j'en ai commandé pas mal. Je vous avoue, j'en ai commandé. De base, je voulais une display, mais la boutique avec laquelle je suis partenaire n'en avait plus. J'aurais mieux fait de me bouger le cul. Et on s'ouvre le premier. C'est quand même beaucoup plus simple d'ouvrir du Yu-Gi-Oh! Que du Pokémon à cause des petites encoches qu'il y a en haut. Ah, j'ai pas mis mon retour, merde. Comment j'ai pas de retour cam? Tac, c'est bon, voilà. On commence avec Écaille de Pierre, un monstre poisson, du coup 2100, 5 étoiles, ok. Senri Vigne argenté. Monstre bête, ok, niveau 2. Ouais, je vois s'il va dans le Melfi. Sirène Fantoruse. Nouveau monde transparent. Oh, Alice Dame de la Lamentation. On a une autre première super. Monstre de la Lamentation, why not? Hacker fou. Intrusion imprudente. Attaque du serpent Ogdoadic. Et brute Dinomorphia. Dinomorphia, je ne connaissais pas. Je crois que c'est le nouvel archétype dinosaure un peu Power Ranger et compagnie. Je suis pas trop hypé par les Dinomorphia. Ouais, pas ouf. En vrai, Dame de l'Alimentation, ça va en premier booster, mais c'est pas ce que je recherche le plus, donc je m'en fous. Érosion, jade glace. Ok, on a du jade glace pour le second booster. Onibimaru, le balayeur d'âme, c'est pas Ochimaru. Magicien marron expérimenté. Oh, on a du coup le magicien marron, il fonctionne avec quel type? Avec des Kuribo, cool. Ça va être cool. Résonance de monstre. Combinaison X's. Ah, et d'ailleurs, combinaison X's qui est aussi une super. Groza, tyran de tonnerre. Oh, Piécéphila, brillant. Ok. Ça marche cyber, c'est rigolo. Lapswell de la force S. Et Mutant Mutant. Pour l'instant, on a deux super. C'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Deux super, c'est pas super. Hein, peut-être. Bah, de toute façon, je crois que c'est même les super sont comme ça. Tête d'opale de feu, donc monstre pendule. Darton, la monstruosité mécanique. Demoiselle d'érable. DDD, chasseur de tête. Oui, on a une petite ultra avec le Neftis du chaos. On a une ultra qui tombe. Neftis, je sais pas si c'est joué Neftis. C'est joué Neftis ou pas? Il me semble pas que Neftis se soit joué. Si, je crois que j'ai pris des sleeves Pokémon là. Ouais, allez. Moi, la carte est protégée en attendant. Du coup, ensuite nous avons Simorg, l'oiseau de perfection. J'aime pas que vous avez vu ce truc pour Simorg. Dinofleur. Diplo, Dinofia. Et Fantoruse ou Friandise. Fantoruse ou Friandise? Ah, il est pas mal. Pas mal, pas mal. Alors. Ah, putain, hein, premier doublon, tête d'opale de feu. Renaissance de monstre qu'on a déjà eu. Demoiselle d'érable qu'on a déjà eu. Ah, monstre poupée ours. Ours, un monstre normal bête à 4 étoiles 0-0. Ok, why not? Et... oh! Vampire fascinatrice, une super. Mais elle est classe. Ligne 3 pour monstre zombie, donc ça rajoute du support au deck vampire, c'est pas mal. Poupée, alors monstre poupée Miss Makien. Festival Fantoruse, on a du Fantoruse. Conflit à épée. Visite guidée submarine. Elle est vraiment jolie la vampire. Vampire fascinatrice. C'est dommage, elle aurait été vachement plus belle en secret. Parce que le noir serait un peu plus ressorti, mais. On va pas chipoter pendant 3 heures. Allez hop. Je vais mettre la poubelle à gauche vu que je suis droitier. Ok, tout simple pour moi. Alors, miroir des rêves. Carapace Dinomorphia. Écaille de pierre, donc on a eu tout à l'heure. Conjurateur dimensionnel. Un nouveau. Oh putain, le premier doublon et on a une super en doublon, c'est dommage ça. Intrusion imprudente. Monstre poupée Miss Makien. On a visite guidée submarine. Et pour terminer, motivation de tribu. Oh non, putain, franchement, un doublon là-dessus. Yo Incos, ça va et toi? Ensuite, nouveau monde transparent.
Un magicien marron expérimenté. Epsilon, les guerriers magnétiques. Datron, la monstruosité mécanique. Et alors, on a du Dogma. Un rituel en super. Je suis pas spécialement fan de Dogmatica. Et un monstre rituel. Voilà, voilà. T'as chopé la magie Flow de Riz. Je viens de commencer l'ouverture. Non, pour l'instant, je n'ai pas. Conflit à épée, domination du marché, Simor Gloise de perfection, attaque de serpent gdoadique. Par contre, on est sur un live français, Incos. Pas en français, s'il te plaît. Parce que là, Flow de Riz. En plus, ils sont trop beaux, ces cartes. Alors, congélateur dimensionnel, traître du miroir des rêves, guerrier magnétique on a déjà eu, magicien marron expérimenté. Oh, fusion ultime, on a eu la fusion ultime. C'est plutôt cool. Allez, l'écran super rare, c'est dommage, ils ont vraiment pu la mettre en ultra, ça aurait été cool. Ça qui code pas mal, et la magie qui fait comme crossover. Ouais, je sais, t'inquiète pas, j'ai été voir, t'en fais pas. Déjà, la fusion ultime, c'est cool qu'elle soit sortie. Motivation de tribu, Sonic Dinomorpha, Mutant Mutant et Dogmatica. Oh putain, Dogmatica Macabre. Putain, ils ont été chercher loin ceux-là. Tac. Onibimaru, le balayeur d'âme. Ouais, c'est pas ouf. Les noms des fois. Congélateur dimensionnel. Pour l'instant, j'ai sorti une ultra. On va voir ce qu'on va sortir d'autres trucs. Nouveau monde transparent. Il vaut mieux aujourd'hui que demain, non ? Du miroir des rêves encore. Putain, c'est là, je sais pas comment. Oh, le dragon tyran aux yeux bleus. On a une deuxième ultra. Le dragon tyran aux yeux bleus. Le dragon aux yeux bleus plus un monstre dragon. Ok, cool. Petite carte fusion, ma foi, bien sympathique. Je sais pas si je crois que je ne l'ai pas. Donc, c'est plutôt pas mal de l'avoir. Donc, c'est plutôt cool. Dino fleur. Hacker fou. Et Diplo Dinomorphia avec pour terminer attaque de serpent Ogdoadic. Ok, deuxième petit ultra. Plutôt cool. En quelques boosters, c'est vachement sympa. Qu'est-ce qu'on se veut d'autre comme booster? Celui-là. Pure dragon Tyrion aux yeux bleus. Elle est très très belle pour le coup. La fusion dragon est très 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 belle. Alors, Carapace Dinomorphia. Uradora du destin. Kaïsa l'étoile cachée. Disciple marqué. Alors, garçon. Oh putain, c'est une. On a une secrète. On a garçon geek, libromancien. Ok, on a une petite secrète. Ah, dommage, elle a un défaut. On le voit bien en plus. Il est bien visible. Ces petits points blancs au-dessus du truc geek. On a la petite secrète. C'est cool ça. Mais attends. Je suis pas sûr. Le texte en bas, il brille aussi. Magnifique quand même. Ouais, magnifique quand même. Dragon tyran aux yeux. Dragon tyran aux yeux bleus, c'est un dragon nain. Parce que mon chat s'appelle Tian. Je sais pas si c'est fait exprès, mais j'ai le texte qui brille en bas aussi. Ça m'étonne. Bah c'est cool, putain, la secrète qui tombe, quoi. Ça fait zizir. Ça, c'est le truc qui fait bien plaise. Une secrète, deux ultras. Pour l'instant, on est bien. Donc, bonheur de poupée, après, Mion Mutant, motivation de tribu. Et, ah, Vénus, agent de destruction. Je crois qu'on n'avait pas encore chopé Vénus. Je crois qu'on n'avait pas du tout encore chopé Vénus, donc c'est plutôt cool. Alors, Sirène Fantoruse, DDD Chasseur de Tête, Datron, le monstruosité mécanique, Tire Fantoruse. Ah, il y a quand même pas mal de choses pour Fantoruse. Oh, je l'ai enfin eu. Oui. Celle que je cherchais le plus. Magie Kuribo, déjà, lui. Allez hop, ça c'est fait. Manque plus que la fusion, et on est paré. Brut Dinomorphia. Bonheur de poupée, Simor Gloise de protection et Festival Fantoruse. Ah, ça fait. Je m'en bats les couilles que ce soit une super. Elle est sublime. Elle est sublime de chez sublime. Je veux rien savoir. Alors, alerte Dinomorphia. Plifeuille remplaçant. Oh putain, c'est quoi cette carte? Elle est affreuse. Alors, moi, je vois un poisson. Lui, il voit un monstre ténèbres psychique. Moi, je vois un poisson. Alors, si vous avez la référence de l'archétype, bah, bravo, merci à vous. Tête d'opale de feu. Magicien marron expérimenté. Lui, on l'a rangé, je sais pas combien de fois. Vision avec des yeux bleus. Extension encore pour du Blue Eyes. Vénus, agent de la destruction. Festival Fantoruse. Sonic, Dinomorphia. Et bonheur de poupée.
Mon chat qui miaule à la mort depuis tout à l'heure. Hop, alors, alerte Dinomorphia, traître du miroir des rêves, disciple marqué, sirène fantoruse. On a une deuxième secrète sur... J'ai même pas acheté une display, j'ai eu deux secrètes, je suis assez refait. Teresia Dinomorphia, voilà, la deuxième secrète. Nice. Bah nice, deuxième secrète qui tombe. Je suis assez satisfait. Pneumatique à macabre, Dino Fleur, motivation de tribu et mutant mutant. Voilà. On est plutôt bien là. Deux secrets en quoi? J'ai ouvert combien? 15 boosters, 20 boosters? Je sais même plus. 20. Fin de la ligne. Renaissance de monstres. De nouveau monde transparent. Alors, vigne argentée, à nouveau, donc c'est une vigne argentée. Oh, dictateur des dés. Alors celle-là, j'étais curieux, on va voir les faits ensemble, parce que j'étais curieux de savoir ce que ça allait être. Tant que contrôle un monstre aux yeux bleus, vous choisissez les cibles des attaques de votre adversaire. Ok, vous pouvez utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Donc, soit on envoie un dragon blanc aux yeux bleus depuis ma main, deck au cimetière, et on invoque spécialement cette carte depuis la main. Ou alors on peut défausser un dragon blanc aux yeux bleus ou une carte qui le mentionne, on cible un monstre aux yeux bleus dans le cimetière, on l'invoque spécialement. C'est pas dégueu. Est-ce que après ça va être beaucoup joué? Je trouve que c'est quand même assez fort, donc voilà. Je suis content. Le grand double casting de lanceur. L'original, celle-là. Elle aurait été jolie en rareté, celle-ci, pour le coup. Domination du marché. Potion souriante. Et derrière, nous avons du coup la brute Dinomorphia. Allez, plus que deux boosters. Bon, la Starlight, j'y crois absolument pas. Moi, je m'en fous. J'ai eu le courrier beau que je voulais. Donc, je suis assez content. Putain, mais lui on l'aura eu je sais pas combien de fois. Faut que je m'achète d'autres classeurs par contre. Nouveau monde transparent. Néon et traître du miroir des rêves. Demoiselle d'érable qu'on a eu aussi je sais pas combien de fois. On a une super avec une monstre bête nordique. Gullin Bursti. Bête nordique. Ok, c'est chelou. Moustique de fumée. Domination du marché. Attaque de serpent ogdoadique. Et du dinomorphia encore. Encore et toujours du dinomorphia. On commence à avoir trop de paquets de cartes là. Mais pour l'instant, on est bien hein, sur l'ouverture, là. On est bien. Deux secrets en quelques boosters, c'est pas dégueu. Et là, on a le droit au dernier booster. Alors, d'après vous, super, ultra ou secret? Conjurateur dimensionnel. Écaille de pierre. Monstre poupée ours-ours. Nauru Harris, le dragon vernal. Et c'est un monstre... Super, c'est un des griffons. C'est tristesse. Domination du marché, dogmatique macabre, potion souriante, attaque du dragon ogdoadique. Voilà. Donc, si on résume, hormis le fait que je suis un putain de fan du coup du Magic Kuribo, mais qui n'est qu'une super, ce qui est comme bien, on a eu Dinomorphia en secret, qui est grave cool, le garçon geek libromancien en secret, et les deux ultras, dragon tyran aux yeux bleus, et Nefti du chaos. Deux ultras qui, ma foi, sont assez classe, hein. Faut être honnête, elles sont assez classe. C'est un plutôt bon ratio, on va être honnête. Bon, en tout cas, merci à vous d'avoir été là pour avoir suivi cette ouverture. N'oubliez pas, du coup, à suivre le live.